Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à jongler. C'est parti, let's go! Bien, je mets un petit chrono pour voir si j'arrive à vous expliquer cela en moins de 5 minutes. Premier exercice, on va venir tendre la jambe et relever la pointe de pied. Et à chaque fois, on vient rattraper le ballon. Vous répétez cet exercice plusieurs fois jusqu'à quand vous le maîtrisez. Ensuite, vous faites la même chose du pied gauche. Pour le numéro 2, on va venir lâcher le ballon. À partir du moment où il fait un rebond, on vient donner un petit coup à la verticale et ainsi le rattraper. Vous répétez cet exercice une bonne centaine de fois du bon pied. Ensuite, vous faites la même chose de votre mauvais pied. Pour le numéro 3, on vient faire la même chose que l'exercice précédent, sauf qu'on ne rattrape plus la balle entre deux. Donc un rebond, je tape, un rebond, je tape. Vous faites une centaine de votre bon pied, ensuite une centaine de votre mauvais pied, et vous finissez par une alternance pied droit, pied gauche, avec à chaque fois un rebond entre deux. Le quatrième exercice, il suffit de faire deux coups de pied, laisser rebondir, deux coups de pied, laisser rebondir, et ainsi de suite. Même chose, une centaine à droite, une centaine à gauche, et vous pouvez faire une alternance pied droit, pied gauche. Pour le numéro 5, on vient faire des petits jongles avec le coup de pied sans poser le pied au sol ni faire rebondir la balle. Même chose, une centaine à droite et une centaine à gauche. Le sixième exercice, c'est la même chose que le précédent, à une chose près, c'est qu'on vient poser son pied à chaque fois qu'on a tapé la balle. Donc taper le ballon, poser son pied au sol, et ainsi de suite. Pour le numéro 7, faites une alternance pied droit, pied gauche. À chaque fois, on pose bien le pied au sol. Ne lancez pas la balle trop haut afin de garder la maîtrise de ce dernier. Huitième et dernier exercice. Ici, on va venir partir balle au sol, la ramener vers soi et au moment qu'elle arrive vers mon pied, je la tape en dessous afin de la monter verticalement. À partir de ce moment-là, je peux continuer à jongler. Si tu n'as pas vu mes deux dernières vidéos, je t'invite à aller les voir. Je te montre 13 façons plutôt stylées et assez simples pour monter le ballon.